Alors, Papoulpe est un poulpe. Il a plein de tentacules, donc voilà, il va pouvoir faire plein de choses et ça laisse l'imagination quand même courir. On pourrait imaginer qu'au crayon de couleur, on ne sait pas, nuancer très fort, on ne sait pas donner beaucoup de volume, mais si je prends un autre vert, mais tout de suite, ça va amener un peu plus de volume. Je l'ai aussi fait un peu de barbe. Et puis des petites joues. Et voilà. Papoulpe. Alors, Papoulpe, il vit dans l'océan et a trois petits poulpes. Ça, ce sont les petits. Et Papoulpe et les trois petits poulpes, ils vivent dans un coquillage. Bon, un gros coquillage aménagé avec tout le confort moderne. Ils sont au fond de l'eau. Ils vont rentrer tous les trois à la maison. Ils ne vivent pas tout seuls puisqu'il y a aussi des poissons qui rentrent chez eux après la journée d'école. Leur cartable sur le dos. Et voilà. Ça me donnerait l'occasion de manger 8 fois plus de chocolat. J'adore le chocolat. Je pourrais faire plein d'autres choses aussi, mais quand même, le chocolat, c'est tellement bon. Une première tablette de chocolat. Deuxième. Une troisième qui attend d'être mangée. Une tablette, il reste juste un petit bout. Peut-être une vraie autre chose qu'un chocolat, un petit gâteau, peut-être. Hein. Ça, c'est très bon aussi. Et voilà. Il y a d'abord la tête qui a une forme un peu de poire, comme ça, ou un peu d'ampoule, en fait, si on veut. Hein. Deux yeux bien ronds, une bouche souriante, en tout cas là il est souriant, et puis après c'est là qu'il faut pas se tromper, c'est 8 tentacules, et alors elles peuvent aller dans tous les sens, et voilà, ça c'est l'étape crayon, et puis on va le colorier en appuyant plus ou moins fort sur le crayon à certains endroits, on peut laisser un peu de blanc sur le dessus de la tête. Alors, prendre un verre un peu plus soutenu. On va le superposer au verre d'origine. On peut aussi mettre un petit peu de rouge au centre de la tête, comme ça, très légèrement. Ses petites joues, la petite barbe. On peut renforcer un peu le contour avec le même crayon. Et alors, des effets d'eau. Et Papoulpe vous dit bonjour. Voilà.